Salut les gars, du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc dans la partie challenge avec le petit Charlito ici. Si vous voulez voir la vidéo en entière où il a tourné tout, la journée, le vlog, etc. Bah allez sur sa chaîne, je mets tout en description et sur le petit i juste en haut. Une petite présentation pour ceux qui connaissent pas. Il est où? Il est où le i? Il est juste là. Pourquoi me connaît? Qui me connaît pas? Je sais pas. Moi je suis nouvelle génération, je suis un. Les années 90 en dessous, années 2000 au-dessus, années 2000 peut-être. Charlie PN, premier youtubeur français, on va dire, dans le street. Ouais. Vraiment youtubeur, genre on va dire, quand même un contenu assez qualitatif. Et voilà, c'était il y a combien de temps? 7 ans. C'était à 7 ans, parce que j'ai commencé à peu près il y a 7 ans. Et voilà, on est de retour. On recommence un peu les vidéos, c'est cool. J'ai un peu toute l'équipe d'avant qui revient. Puis c'est bien, je retrouve un peu. Le petit Flo et un peu tout le monde là, donc on va pas faire, on va pas trop expliquer longtemps. Si vous voulez en savoir un peu plus, gros les gars, vous avez ma chaîne en dessous. Exactement, voilà. Exactement. Là on est. Moi je veux juste dire un truc pour ceux qui connaissent pas, c'est monsieur qui m'a. C'est grâce à lui que j'ai commencé ce sport il y a 5 ans, donc c'est beau, c'est 5 ans après. On est là, donc là. Ouh. Attends, on est proche là. Bon, les règles. Là on va faire un petit challenge. On va être tous les deux accrochés à la barre et en fait on va juste se dire des reps à faire. Tu dis les règles. Vas-y, je te dis ce que tu t'en rappelles. Pas plus de. Alors pas plus de 10 tractions on a dit, pas plus de 15 dips bar en haut, ouais. Pas plus de 10 secondes d'iso. Ouais. Et muscle up de 2 voire 3, peut-être on va dire 3 au début et puis 3. Après 2 en fonction de. Ouais, 3, on verra en avise au pire voilà. Des cas. C'est ça l'objectif, donc vous pouvez le reproduire chez vous dans un parc, voilà, avec un collègue, donc je trouve ça sympa. L'objectif voilà c'est ça, on reste accroché, il y en a un qui commence, il me dit par exemple 2 muscle up, je fais mes 2 muscle up et après c'est moi qui lui dis des trucs, ok. Bien entendu le but c'est que ça dure longtemps, donc si on voit que le mec il est trop en galère on peut changer rapidement, tu vois. On n'est pas là pour. Ouais, c'est pas du pro. Faut pas trop réfléchir. Voilà. Parce que si tu réfléchis trop à ce que tu vas lui faire faire, ben en fait tu perds trop de temps en restant accroché. Même toi t'es accroché en fait, donc. C'est ça. Tranquille. Donc c'est juste pour, voilà. Pour du petit délire. Donc j'espère que vous releverez le défi. T'es chaud? Ouais. On est un peu mort, mais. Ouais, grave. Allez, zoom. Allez, gros. Let's go. Let's go. Un, deux, trois. Deux, deux, deux. Oh le bâtard. Après, c'est un peu plus. Deux muscle-up. Un. Trois tractions. Ah, trois. 10 secondes en moins. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Ah, 10 dips. 10 dips. Putain, faut que je fasse un. Et ouais, du coup, t'as le muscle-up en plus. Ah. J'ai vu aussi, il faut surtout pas dire quand c'est dur pour toi. Parce que moi, ça me donne une image. Ouais. J'allais vraiment lâcher. Non, mais tu le dis pas, t'as vu ma gueule. Tu regardes ma gueule, tu comprends tout. Tu gardes toutes les émotions pour toi, comme ça, le mec. Si tu dis juste au moment où il va lâcher, ça va te donner un coup de boost. Ouais, c'est vrai, c'est pas tort. Putain, c'était propre. C'était cool. Hein. Bon, on est mort, hein. On a fait plein de trucs avant, de toute vous le verrez. Mais c'est pour le délire. Franchement, je trouve ça marrant. Ouais, c'est cool, les mecs. Même pour s'échauffer. C'est bien d'être prêt parce que t'es obligé d'être strict sur tes muscles pour pas toucher l'autre devant. Mais c'est dur parce qu'au début, le premier, j'avais pas de balance prendre, tu vois. Ouais. Donc faut se rebalancer. Mais voilà, c'est sympa. En vrai, pour s'échauffer, franchement, c'est marrant. Du coup, on vient de finir. Ouais, c'était cool, c'était bien. Donc allez voir la chaîne, enfin ouais, la chaîne et la vidéo en passant. Et mon Insta aussi, en tant que tout. Son OnlyFans. Mon OnlyFans, mon Lim. Je suis nu. Exactement. Ah, est-ce qu'on voit le. Il est 8h.
8h du matin, il va falloir qu'on enchaîne merci son entraînement. Merci à 1789, c'est la date où je suis né. Non, je rigole. Bon, allez, on arrête de dire des conneries, on va s'entraîner. Entraînez-vous, bande de branleurs. Moi, je suis né en 87, j'avais 2 ans, là. Bon, je suis pas né en 1700, hein, mais j'étais en 1900, mais bon. 1780. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous, j'ai battu le mec qui m'a fait commencer le street. Est-ce qu'il a entendu? Il a pas entendu. Mais t'as pas entendu ce que j'ai dit? Comment? Je leur ai dit, j'ai battu le mec avec qui j'ai commencé le street. Bah tant mieux. Je suis trop vieux maintenant. Bah oui. Regarde Yoda, il fait plus rien. Gros. Il est tout, Yoda. Il est tout fripé. Il y a un moment, c'est normal. Heureusement. Je rigole. Allez, on va s'entraîner. Prenez soin de vous. Ciao. On est arrivé, c'était 14h. Là, c'est bientôt 17h. Je suis free confit. Free confit comme une confiture grande mamie Nova. Let's go!